Rennes 11e accueille Lyon 18e. Les Rennais sortent d'une belle victoire en Coupe d'Europe 3-1 contre Panathinaikos en Europa League après n'avoir pris qu'un point sur les 4 derniers matchs en championnat. Blas, Terrier et Salah sont titulaires, Assignon et Omari suspendus. Lyon de son côté n'a pris que 2 points lors des 3 derniers matchs, toujours pas de victoire cette saison. Douama, Cherki et Baldé titulaires, Lacazette débute la partie sur le banc. Rennes espère donc enchaîner après son match européen victorieux. Les Bretons essayent d'aller de l'avant. Les premiers ballons sont bretons. Attention à cette ouverture sur le côté. Et ce geste complètement raté de Guéla Doué. On joue depuis 5 minutes. L'arbitre sort un carton jaune. Mais l'assistance vidéo à l'arbitrage fait sortir le carton rouge contre Guéla Doué. Un geste considéré comme dangereux. Rennes se retrouve à 10 pendant quasiment l'intégralité de la rencontre. Une situation à exploiter pour l'Olympique Lyonnais qui cherche toujours ce premier succès si précieux pour retrouver la confiance. Les Lyonnais peuvent donc attaquer à 11 contre 10 avec cette première balle dans la surface. Ça traîne un petit peu. Puis ce tir manqué, une de deuxième chance, c'est contré, une troisième dans le petit filet. Petite possibilité pour Jack O'Brien. Ça n'est pas cadré. Très peu d'opportunités lors de la première période de cette rencontre. 0-0 à la mi-temps. Les entraîneurs décident donc de faire des changements. Alexandre Lacazette remplace Alvero pour insister et gagner ce match à 11 contre 10 pour les Lyonnais. Changement également pour Bruno Genesio. L'entraîneur de Rennes lance Bélossian, Kalimuendo et Santa Maria à la place de Truffert, Salah et Terrier. Beaucoup de changements de joueurs. Et les Rennais essayent de faire de leur mieux à 10. Ils tiennent à peu près le match. Mais Lyon sont hardis et trouvent quelques petites solutions. Les Rennais récupèrent cette balle avec le joli travail de Matic. Puis la tentative de frappe d'Arnaud Kalimuendo, c'est directement sur Anthony Lopez. Les Bretons manquent un petit peu de tranchant. Et Lyon a toujours la possibilité de marquer un but pour faire une énorme différence. Notamment sur cette action, le centre, le ballon arrive au deuxième poteau pour le but de Jack O'Brien. Ça fait 1-0 pour l'Olympique Lyonnais à la 67e minute. Le premier but en Ligue 1 Uber Eats pour le joueur irlandais. Enfin, Lyon réussit à marquer un but très important, le but du 1-0. Il reste quelques dizaines de minutes à jouer en Bretagne. Joli centre de Sahel Koumbédi. O'Brien s'impose au deuxième poteau face à Bourigeaud. Lyon mène 1-0. Rennes essaye donc de revenir, même à 10, les Bretons peuvent arracher au moins le point du nul. Une spécialité rennaise cette saison, 6 sur les 10 premières journées. Encore une possibilité lyonnaise avec Alexandre Lacazette. Il n'arrive pas à bien négocier ce ballon, mais ça suffit pour l'OL qui tient sa première victoire de la saison. Un succès 1-0 sur le terrain de Rennes.